Je demande maintenant à Zacharia Mestari de l'Université du Québec à Montréal de monter pour Programme de gestion des comportements problématiques auprès de jeunes enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme, validité et effet sur les intervenants. Bonsoir. Vous allez bien? Super. Martin est un petit garçon. Et comme tous les petits garçons, il apprend super rapidement. Et c'est aussi le cas de ses comportements. Comme tout le monde ici, nos comportements sont appris et suivent une séquence très, très, très simple. C'est la séquence A, B, C. A, c'est l'antécédent, ce qui déclenche le comportement. Donc, Martin, il veut l'attention de sa maman. B, c'est le comportement que Martin va émettre. Par exemple, il pourrait crier « Maman !» La conséquence, c'est maman qui arrive. « Oui, mon choupinou. » Et cette conséquence, quand elle est répétée, devient un facteur de maintien. C'est la raison, par exemple, pour laquelle j'appelle ma mère sur une base régulière pour des conseils de vie encore aujourd'hui. Toutefois, il faut savoir que Martin a également un diagnostic d'autisme. Et comme beaucoup d'enfants ayant ce diagnostic, il présente des comportements problématiques. Il y a plusieurs façons de voir les comportements problématiques. Ça pourrait être des crises qui sont tellement fréquentes ou tellement intenses ou qui durent trop longtemps et qui vont venir interférer avec, par exemple, l'intégration à l'école ou bien le fonctionnement de la famille. Ça peut aussi être des comportements d'agressivité envers autrui, envers du matériel, même envers soi-même. Je pense que je ne vous apprends rien de nouveau en vous apprenant que les comportements problématiques ont un impact très négatif sur le bien-être de Martin, de ses parents, de sa fratrie et des gens qui travaillent auprès de lui. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ici au Québec, nos intervenants spécialisés des services publics en autisme ne sont pas formés pour travailler directement sur les comportements problématiques. Pas de panique. C'est là que ma thèse rentre en jeu. Le but est très simple, on veut former, superviser des intervenantes du système d'intervention publique québécois pour travailler directement sur les comportements problématiques à l'aide d'un programme de gestion qui va, à son tour, être implanté auprès des familles d'enfants comme Martin. Le programme qu'on a choisi, c'est le Prevent, Teach, Reinforce, le PTR. On a choisi ce programme américain qu'on a traduit et adapté ici au Québec parce qu'il est simple, efficace, il inclut les parents dans chaque programme, dans chaque partie du processus, et il est basé sur des données issues de la recherche. On va choisir les objectifs ensemble, sur quel comportement on va travailler, on va choisir comment est-ce que les parents veulent mesurer ce comportement-là. On va aussi prendre le temps d'analyser le comportement avec eux. Qu'est-ce qu'il déclenche, qu'est-ce qu'il maintient? Ça va nous permettre de choisir trois types de stratégies. Les stratégies préventives, qui sont là pour prévenir l'apparition du comportement problématique, les stratégies d'enseignement pour permettre à Martin d'apprendre des nouveaux comportements alternatifs aux comportements problématiques, taper sur l'épaule à la place de tirer les cheveux, pointer à la place de crier. Et on va utiliser aussi des stratégies de renforcement pour enseigner aux parents comment réagir lorsque l'enfant fait un bon ou un mauvais comportement. Plus spécifiquement, dans le cadre de ma thèse, ce qui m'intéresse, c'est le concret. C'est comment ça s'est vraiment passé, d'aller rencontrer les familles, les intervenants qui ont mis en place le programme. Qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé futile, qu'est-ce qu'ils ont trouvé utile? Et le but est très simple, prendre un programme qui a déjà fait ses preuves aux yeux de la science et l'adapter pour notre population d'ici, pour pouvoir, on l'espère, aider des familles comme celle de Martin à travers le Québec et pourquoi pas à travers la francophonie plus tard. Merci beaucoup.